C'est avec information toujours apprêté dans même dossier ça à côté hier concernant un examen qui attaqué diverses antennes police dans cité soleil à caisse commissaire en bas la ville côté Nabdila bandi armé attaqué hier matin et dimanche dans bien bonnet sous commissariat portail Saint-Joseph qui trouvait là dans quelle ville pour dire bien en bas la ville pour petit trois policiers perdit la vie et puis bandi au même mettait difficile sur yo les taillons agent 4, un agent 4 et puis un agent 2 d'après éléments d'information yo et puis pour te aller l'autre matériel policier te gagné gang armé qui a fait la loi dans pays yan mais continuer à mettre d'autres autorités concernées à terre comme s'il a fait mon tout uni pour montrer que c'est eux même qui est force en pays même les forces illégales parce que c'est eux qui a fait la loi dans pays yan mais notamment la police par rapport avec combattement bandi mais bandi a monter c'est eux même qui chef mais n'a dit que hier dimanche j'en ai dit à la bien bonne bandi attaqué sous commissariat portail Saint-Joseph qui trouvait dans cette ville Port-au-Prince département de l'Ouest paysan attaque ça li poté aller et la mort trois la vie trois policiers qui étaient affectés dans commissariat ça qui t'a travaillé dans joie en dédiant les c'est un agent 4 et puis un agent 2 qui yo même censé et d'après information qui est victime qui perdit la vie on attaque nek fait sous exactement sous commissaire portation et Saint-Joseph là pardon des dans trois agents ça qui sorti dans 22e promotion et puis 25e promotion et la police non n'a fait qu'on est tout un bien policier ça yo fin brûler quoi semblé monsieur aller avec et cadavre yo ça d'après élément information maintenant dit tout pendant même de samedi soir pour l'ouvrier dimanche là et hier dimanche là côté nèg exam t'es envahi Sandrilé et antenne cimetière Douyalan et puis l'autre côté tout en dedans cité soleil et information ça jeune qu'on est là qui est poté aller et la vie et inspecteur divisionnaire Adolphe Miradel qui même c'est responsable poste sa police Kafou Douyar et puis côté gain l'autre agent qui yo même arrivé victime en bas main nèg exam qui attaqué mais poste bien antenne Douya là dans zone Douya d'ailleurs dans commune cité soleil il va pas le prendre zone cimetière Douya mais c'est situation ça qui développé hier là tout pendant week-end non dans commune cité soleil même quelqu'un des sim jeune donner ça par rapport avec quantité et âme ça responsable eux même dans la police surtout vous présenter là non pour sacrifier surtout dans commune cité soleil bon garder rapidement si je viens de donner ça là et sévère par rapport avec ça oui et quand il fait qu'on est là il y a n'importe 15 âmes qui saisit parmi eux plusieurs galil saisit parmi toutes âmes que monsieur poté aller c'est ça information bail comme détail bon garder là par rapport avec ça oui nous je ni là côté gagné ça n'a pas police nationale d'Haïti direction départementale ouest commissariat cité soleil qui sorti un rapport par ciel un rapport partiel directeur départemental ouest 2 parce qu'on est divisé le DDO en deux gain l'ouest 1 l'est 2 gain portion qui sous contrôle de l'ouest DDO 1 ces zones Grissier les organes ça mais gain portion c'est sous DDO 2 divisé au jeune cité soleil Delma en bas la ville la donne mais directeur départemental ouest 2 responsable juridiction cité soleil son rapport partiel information sur attaque qui rivé faite sous plusieurs bases police dans cité soleil directeur responsable juridiction cité soleil la gain honnête pour capable informer nous que toute base police cité et police qui trouve dans cité soleil tant du Vivier Douya Sierra 2 station Gonaïve bandi attaqué yo et tout y est policier et poté aller avec examen pile ça s'est arrivé samedi soir qui était 5 juin 2021 dans environ 8h dans Aswe nek armé yo entré et attaqué ensemble de base yo et tous les policiers, j'en ai dit à station Gonaïve, et, côté, y'a tous les policiers, Fedlin, Luc, et y'a tous les responsables, poste Douyalan, qui c'est inspecteur divisionnaire, Miradel, Adolphe, et poté à les âmes que t'es gagné, et y'a pris radio, communication, qui t'es dans poste, là. Là encore, qui sont gros problèmes pour la police, parce qu'elle est obligée, prêt à changer le système communication. Vous comprenez, pour les parler, bah, bon, ça m'apprend, que et Charlie, hein, qui, et c'est bon, qui a donné sous ça. Et apprendre que, eh ben, dans le rapport présenté, y'a dit que 4 et 12 et puis 2 Galil que yo saisi dans antenne station Gonaïve là. Gagnon T65 Galil et yo saisi dans cité Soleil. Gè 6 et 12 du yo saisi du Vivier. Gagnon Galil et puis 3 fusils yo saisi dans Douyar et constat montré que situation li détérioré, li dépassé yo en bas et l'encasa yo même comme responsable tout y a demandé avec autorité concernée yo pour porter l'autre renfort avec yo pour permettre que situation capable retourner dans
normal. Moi-même, j'ai apprécié visiter la zone hier. Poste et antenne, dans le Kafoudouya, son antenne qui s'est fermée. Et zone, nan, et c'est timidement, monde passe la donne, c'est barricade, zone bord CNE, zone bord pour la phyto, là où c'est barricade, car au-dessus Kaboulé là, monde pas qu'à traverser. Voilà la situation pays, il y a insécurité, il a fait la rage pendant tout le week-end et presque chaque jour qui passait. Réaction après Zach Sayo, ensemble avec plusieurs organisations Cap Défendre Droit Moun, Réseau National Cap Défendre Droit Moun, exprimé tête chargée au gain devant bataille, sa cap fait dans Matisse depuis plusieurs jours. NDDH a gagné inquiétude, surtout Timoun yo qui en pile là d'ailleurs sauvé avec uniforme sur Cap souffri sous place publique yo. Événement Sayo bloqué 4 départements. Marie Rosy du Sénat qui est responsable programme NDDH a pas écarté possibilité pour dossier ça. Ta diversion qui a fait pour capable casser et la mobilisation contre référendum dans le côté Marie Rosy du Sénat dans le micro Jean-Philippe Massier. Depuis 1er juin 2021, la population matissant a vécu une situation difficile. Côté gagné un affrontement entre gangs armés qui fait partie de G9 en famille et alliés. Au niveau donc avec différentes attaques armées, massacres qui a fait dans le quartier défavorisé, c'est tous les jours que Timoun a victime, c'est tous les jours que Timoun a déplacé, c'est tous les jours que Timoun a mouru dans différentes attaques qui a fait. Et par conséquent, journée aujourd'hui, c'est ça que nous baille comme image en termes de protection Timoun parce que et gagné un pile petit monde qui sous place Fontamara avec famille. Nous t'as qu'à penser et selon première information que nous avons que c'est un guerre qui gagne entre bandits armés. Mais expérience nous avons monitoring violence armée dans quartier défavorisé. Yo fait nous était très sceptique et puis nous plutôt choisi tant plus information parce que nous pensons que nous avons cette diversion tout que autorité n'a pouvoir ou a fait pour casser mobilisation contre référendum inconstitutionnel que planifié pour 27 juin 2021 hein, et sans ça, il y a besoin d'établir un climat terreur dans la population pour empêcher d'organiser un mouvement de protestation que vous avez déjà planifié pour. Pour nous parler bien de la situation qui passait hier là, non exactement, samedi soir, non sous commissariat avec antenne, non cité soleil. Mais là, venez avec le premier ministre Claude Joseph lui-même, et d'après on tout que lui était bon, lui était pas, lui parlait, mais qui fait comprendre que l'autorité a travaillé sérieusement pour capable de contrôle et en bas pour permettre que la paix retourne en bas. Oui, aujourd'hui, en Blaise, à travers le premier ministre, le gouvernement prend toute disposition pour la paix retourner dans la troisième circonscription. D'après le premier ministre Aïr qui fait connaître, sous l'ordre président Jovenel Moïse, la police jeune instruction chef CSPN pour mettre la peine à Matissac Fontamara. Claude Joseph by garantie autorité au pagain dormir en nuit pour résoudre le problème ça yo un côté d'un coach Jean-Philippe Massir. Comme tout le monde connaît depuis quelques jours gagné groupe armé qui t'a simé panique dans zone Matissan à Fontamara. Je t'ai arrivé bloquer circulation machine ak moun forcer moun qui habite dans zone yo courir aller chercher refuge sous place publique, kay fami, kay zami. Ça provoqué rassemblement pile moun dans un seul espace. Yon bagay qui a fait maladie coronavirus là, affecté plus moun dans population. Alors que nous connaît, gouvernement a fait tout effort pour li contrer propagation coronavirus. Situation ça a fait tout que accès à 4 départements, environ 5, on doit dire, dans pays a bloqué avec toutes conséquences négatives, ça a gagné sur vie économique et sociale, tout le monde dans la population. Devant une situation ça, qui est inacceptable, l'exécutif l'a mobilisé dans le plus haut niveau. Le président de la République l'a, by l'ordre formel, avec toute entité qui gagne responsabilité, garantie, sécurité dans le pays. C'est ça que fait le Premier ministre pour un petit bout de temps. Organisé dans moins que 72 heures, 3 CSPN. Et dans l'occasion ça, moi, suivant instruction du président de la République, là, moi, bah, l'ordre formel à la police nationale là, pour prendre toute bonne mesure pour stopper ce qui a passé dans Matissan et Fontamara. Effectivement, depuis hier, circulation Matissan-Fontamara qui a accès à l'autre département dans le pays. Là, libre. Et je dis, ce n'est pas moi qui dis, c'est moi-même personnellement qui déplacé, accompagné chef police là pour mal vérifier que zone ça, les libres, bien accès
pour moun ak machine passé. Mwen te profité visiter quelques moun qui réfugiés sous place publique yo. Mwen parle avec yo pour mwen dire que gouvernement a prend bon jan mesure pour l'accompagner yo. Jodi a ça me veut tout moun konnen c'est que gouvernement li pa dormi. C'est vrai nous te souhaité attendre chaque seconde, chaque minute. Mais en dedans résidence officielle Premier ministre te gen permanence. C'est chaque jour pendant week-end là de 6h du matin, parfois on quitte là 2h 3h du matin. J'aime dire nous organiser déjà 3 CSPN. N'a avancé toujours avec chef CSPN nan côté que li acquisé yon secteur qui campé des actes violentiaux non fait pays alors que ça pas marché kounya n'a attaqué commissariat parole Claude Joseph ba garanti yo pas prêté garder mais caché ça yo qui décidé monter volume sécurité à quelques jours avant rivé mission OEA en payant premier ministre pour un petit bout de temps Claude Joseph continuer prôner dialogue comme seule solution à crise politique si là en côté Claude Joseph pour plus de détails. Nous avons un événement qui a passé en cascade. Nous comprenons. Et nous comprenons très bien. La police, là, la MEA, est mobilisée pour nous permettre à la population de vaquer l'activité. Je dis à c'est extrêmement important. Pour tout le monde comprendre que, et tout le monde connaît que c'est dans le dialogue qu'il y a une série de problèmes qui doivent résoudre. Moun ki deye sa ka fèt yo n'a privé sou nou parce que c'est l'état qui détient le monopole de la violence légitime. Nous connaissons situation insécurité ça qui là, s'il pas créer tête li. Nous connaissons qui bois qui deye yo. Nous connaissons qui éminence grise qui deye yo. Seul ça m capable di moun ka provoquer terreur en dans population. N'a privé sou nou. Même j'en privé sous bandits, quel que soit côté yo yé. Moun qui croit c'est dans violence, yo capable résoudre problème yo. Faut me dire que jodi a, c'est pas possible. Nous tenter, nous fait pays lock, nous bloquer pays a plusieurs fois. Jodi a n'a attaqué commissariat quelques jours avant. Il y a une mission OEA qui est entrée dans le pays. Quelques mois avant, nous réaliser ce scrutin qui vous permettre de nous renouveler le personnel politique là. Donc, nous avons dit tout le monde que comme président, toujours dit, c'est par le dialogue qu'on doit résoudre les problèmes. Président prêt, et pas sans raison, qui fait que dans la tête primature, là, on peut un ministre pour un petit bout de temps. On ne peut pas répéter ça. Ça, c'est volonté manifeste, président, pour l'engager. Bon jeune dialogue, pour accoucher un gouvernement définitif, car dans la tête, là, on peut un ministre définitif. Question insécurité, là, la police, l'armée mobilisée. Il y a une bonne instruction pour nous permettre un monde paisible. Vaquer librement à activité. Directeur général police nationale là pour un petit bout de temps Léon Charles fait connaître la police mobilisée sur toute route Matissan rivière Mariani pour faciliter circulation normale continuer sur route ça yo. Léon Charles confirme attaque qui fait antenne Douya et l'autre attaque encore sous l'ostricti dans la police là. DGAIPNH a rappelé policiers qui ont obligation pour défendre la population avec commissariat yon côté déclaration. Pour me renforcer toute information que Premier ministre se partage avec nous. M'a dit nous que la police là depuis hier soir mobilisée sur route Matissan à partir de première avenue jusqu'à Mariani. Circulation reprenne. Hier soir, il continue matin. Et jusqu'à ce soir, la police est présente et demain matin, la police est présente pour accompagner la population qui a fait usage de AXA, qui bloquait, et si bloqué, nous connaît qui dégâts l'a fait sous économie pays. La police a ben nous garantit que la prête présente sous AXE Matissan Mariani. L'autre information que nous avons profité, partagé avec nous, c'est l'action que bandits armés a fait
sous commissariat de police. Une attaque qui fait hier soir, le grand inspecteur divisionnaire, responsable antenne Douillard, qui est assassiné par des bandits. Maintenant, Kouniala, une attaque a fait sous-commissariat La Saline. Nous avons pris disposition pour nous repousser, pour nous quitter l'axe La Saline et tout l'axe Delma pour que la population cap vaquer à l'activité. Je dis à tous les policiers, rôle nous, c'est protéger et servir. L'un d'après des serments, il ne pas dire nous dans quelles conditions. Pour protéger tête nous, d'abord, pour nous protéger la population. Et quel que soit côté menace l'avenir, nous avons campé pour défendre tête nous, défendre les policiers, défendre la population. La police, le 12 juin, dans quelques jours, il y a 26 ans. C'est 26 ans de tribulation. C'est 26 ans de protection et service avec les moyens du bord.